Bonjour, bonjour, nouvel épisode dans God of War Ragnarok et ses services. Cette fois-ci, on va s'attaquer à la région du Vanheim. On va faire des choses assez sympas et surtout, on va avoir droit à un épisode spécial sur Freya. Pour ceux qui s'en souviennent, à un moment donné, elle a évoqué sa relation tumultueuse avec Odin. On va en apprendre un petit peu plus. Allez, tout de suite, on se lance. Alors, il y a quelques points d'accès mystique au début à Vanheim. Juste à côté du camp de Freyr, et ici on a un système qui nous permet, on a parcouru l'histoire, jeu principal, on peut changer le système de jour de nuit. On voit qu'ici l'arbre barre la route. L'arbre, une part magique qui se lève, ce qui va faciliter notre progression. Dans des zones qu'on n'avait pas accès. On aurait pu parcourir un moment du jeu, mais on l'a pas. Parce qu'il y a des. On change le temps pour l'histoire. Région secrète d'Elphine. Les miens peuplaient jadis les abords de cette rivière. Elle voyait défiler des milliers de pèlerins en route vers le grand temple. Jusqu'à ce que les As arrivent. Et voilà ce qu'il en reste. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette... Sonia, des artefacts, des connaissances, des corbeaux. Et on voit un delta de la rivière service. Qui fait des incantations là. Des pillards, évidemment. Ah, une autre région secrète là, c'est des pèlerins. Il y a une petite série de choses et encore un delta de la rivière, ça arrive. Bon, on va s'occuper d'eux déjà. Et faire combat. C'est là dans la liste là. Ça va exploser! Attention! Merci! Une pierre tombale. Un berserker nous y attend sûrement. Ah, il y a un fantôme aussi. La patience est une vertu. Ok, pierre tombale, on va s'en occuper. Quand s'estompera le mal? Que se passe-t-il? Je t'en prie, laisse-moi mes prières. Je t'en ferai là, la grande guérisseuse. Je suis là. Elle me guérira. Je m'étais fidèle. Elle n'abandonnerait pas. Je suis Freya. De quoi as-tu besoin? Elle seule peut soigner mon mal. Grâce à la bête, la mousse et le nef. Nous devons l'aider. Elle demande un remède. Elle est morte. Elle est piégée ici, dans l'ignorance de sa mort. Elle pourra passer à autre chose si nous lui apportons ce qu'il faut. En es-tu sûr? Je ne l'abandonnerai pas, Kratos. Elle a besoin de bêtes, de mousse et de nèfles. Trouvons-en. Alors, ça se trouve où, cette bestiole? Ah, on dirait qu'il y en a un peu partout. Non, c'est celui-là.
Qu'est-ce que tu as trouvé? Voilà pour toi. Le chant d'une Noken. Sois prudent. Noken, sois de ses amis. L'as-tu reconnu? L'esprit malade, je veux dire. Non. Il fut un temps où je connaissais chacun des visages de mon peuple. Et de deux. Je me demande parfois si les dieux ne vivent pas tout longtemps. J'ai déjà ressenti ça. Qu'as-tu appris, mon frère? Connaissance, il nous reste un coffre légendaire. Quelque chose est suspendu dans l'arbre au-dessus de nous. Ça pourrait servir. Crois bien que ça a marché. Ça a marché. Encore France. J'ai tout ce qu'il me faut. Retournons voir l'esprit malade. Tu peux guérir les morts. J'ai promis de prendre soin de mon peuple. Tu ne te souviens même pas d'elle, ni elle de toi. Et retournons voir l'esprit. Tout en profiter pour le faire, lui, Michel. Pas sûr qu'on puisse le revoir à un moment. Alors il est pas là. Il est dans la zone delta de la rivière. Ah, c'est vicieux. Hein. Bon, on a plus qu'à ramener maintenant notre putain à la dame. Il est instable. Recule. Bien fort. Nous avons les plantes. Est-ce possible? Je sens la vie revenir en moi. Je sens Freya. Je suis là.
Je savais que vous reviendriez, même lorsque les autres ont maudit votre nom. Merci. Repose-toi à présent. Tu l'as mérité. Merci, ma reine. Je suis épuisée. Peut-on continuer ? Oui. Terminer avec cette zone et ce service. Alors, nouvelle zone après le coup des pèlerins. Un sacré réseau de navigation. Hein. Jardin Laotun. Dans le ménage maintenant. Attention à ses corps. Dire attention au poison surtout. C'est une idée dans le désolation. Un sort approprié. Astrid. Non. Esprit. Freya, vous êtes revenue ? Astrid, que t'est-il arrivé ? Qu'est-il arrivé à ton jardin ? Les Eneriar. L'œuvre de ma vie anéantie. Voyez ce qu'est devenu l'hommage que je vous rendais. Je suis désolée, ma reine. Tu ne me dois aucune excuse, ma vieille amie. J'avais juré de prendre soin de ce jardin jusqu'à votre retour. Vivre à jamais dans sa putrescence est un juste châtiment. Je reviendrai, Astrid. Kratos, nous devons purifier ce jardin de tout poison. Jardin des défunts. Pourquoi ? La terre est à l'image de ceux qui la cultivent. Tant que celle-ci sera meurtrie, son âme sera empoisonnée. Nous devons détruire les totems. Ils empoisonnent le jardin d'Astrid. Donc c'est le service de la zone. Dans mon jardin s'épanouira. Mon âme fera de même. Oula. On aura les objets après. Je veux déjà un artefact, une connaissance. Vois-tu s'il y a un moyen d'entrer depuis ta position ?
souffre. Il doit rester du poison quelque part. Bonjour. Dernier. C'est terminé. Elle vit à retournons nouveau auprès d'Astrid. Je le sens. Oui, ton jardin pousse à nouveau. Freya, comment avez-vous ? Tout va bien, Astrid. Il est temps de tourner la page. Merci, déesse. Je vous aimerai toujours. Moi aussi. Tu as fait preuve d'une grande bonté. Ce n'est que temporaire. Le jardin mourra à nouveau. Toutes les choses meurent un jour. Ce n'est pas une raison pour les abandonner. Service effectué. Alors, on quitte à passer dans une zone pour découvrir une nouvelle. Alors, on a un point mystique sur notre droite. Déverrouillé très très utile. La zone qui nous intéresse, alors rune de la falaise. Un tel pouvoir est corrupteur. Mes amis doivent en être affranchis. Qu'y a-t-il ? Je suis morte. Et vous allez m'aider. Bien sûr, Gunhild. Mais que pouvons-nous faire ? Lorsque les Eneria vont attaquer, il nous fallait riposter. J'ai proposé d'utiliser la magie Celse. Vous étiez désespéré, je le comprends, mais c'était stupide. Assurément, j'ai été tué avant que mon esprit ne soit corrompu. Ils n'ont pas eu cette chance. Vous devez les libérer. Bien sûr. La magie Celse serait terriblement corruptrice. Ces pauvres âmes doivent souffrir le martyr. Offrons-leur le repos éternel. Éliminer les fanatiques. Donc c'est ça notre objectif local. Commencez à être habitué. Notre marqueur est carrément là-haut. Je me demande comment grimper là-haut. On ne peut pas. Pas avec ces ronces dans le passage. Donc on va s'en occuper. Ok. Bien que ça a marché. C'est mieux qu'avec le coffre. Les âmes de mes amis sont toujours corrompues, n'est-ce pas? Rendez-leur la vie. C'est possible. Hein. Alors, quel effet cela fait-il d'être de retour? Je n'ai pas l'impression d'être de retour. Tout a changé. Je suis comme une étrangère. Je sais ce que ça fait. Là, le mot runique vient d'apparaître. Tu le vois ? Megan. Le lieu du mariage devrait être accessible. Ah, je pensais que ça nous libérait le... lieu pour notre mission, et...
possiblement une autre quête. On a là-bas, ça va nous... Non. Une histoire de mariage. Je crois que, ouais, non, je crois que c'est celui-là. Donc ça devrait aider également à... accéder à la zone. Alors, essayons de repérer un peu. Plus nous approchons, plus je sens ma poitrine se nouer. Tu es sûr de vouloir continuer ? Affronter le passé a toujours un prix. Il faut que je le fasse. J'ai enduré cette peine trop longtemps. Cela peut surprendre, mais nous avons été heureux. L'espace d'un instant, j'ai cru naïvement que la paix durerait. C'est peut-être là mon erreur. Ce que je voulais, c'était protéger les miens. Il n'y a pas de honte à cela. Non. Mais j'ai échoué. Ces marques, elles indiquent la présence de séismes. Heureusement qu'on a un indicateur, hein, parce que sinon... D'autres marques séismes. Les amis de Gunhild ne doivent plus être loin. Regarde ce qu'ils ont fait de cet endroit. Un truc pour la faire rebondir la hache. Oh, une autre pièce d'armure brisée. Tu les as prêts sur le coup. Ça me pète à la gueule quand j'arrive, ça. Ça va pas te plaire. Ça peut s'ouvrir, la petite hotte. Avec les cadavres des plantes, là. De ce côté. Là, ce sont les esprits séistres égarés, les amis de Gunhild. Ils n'ont plus l'air si amicaux à présent, n'est-ce pas ? Offrons-leur la mort. Corbeau d'Odin, défilé brumeux. Après, oh, on intérêt à pas tout le châtier alors. J'étais concentré sur la plante. Est-ce qu'il y a un système de visée qui va accrocher tout ce que je veux? C'est le pari, il tire dessus. Du clan de royaux hostile. Hein.
c'est ça la mort. Je crois qu'il n'en reste pas d'autres. Je n'y crois pas. Je connaissais ces esprits. Je ne les aurais jamais crus assez fous pour s'essayer à la magie séistre. Ils étaient perdus. Et maintenant, ils sont morts. Bon débat. Tu te sens responsable. Et cela n'apaisera pas ta douleur. Retournons voir Gonild, si tu as épuisé toute ta condescendance. Non. Il y aura des ennemis, oh putain. Cela nous éclaire-t-il ? Et retourner dans notre zone d'avant. Il y a un passage fébrile dans une autre. C'est un peu merdique, hein, je trouve, leur système de zoning. On reste un peu sur. L'idée que je m'étais fait des collectifs dans le jeu, ils ont encore. Encore fait dans un niveau que. Je trouve pas forcément. Très amusant. Je pensais pas besoin d'en avoir autant pour que ce soit c'est rigolo. Là j'arrive même pas à retrouver la zone dans laquelle le système il va accrocher, je sais pas quoi. Je pense que c'est le delta de la rivière. On l'avait déjà chopé, hein. Donc ça c'est fait. J'aurais aimé que cela se passe autrement. Mais ces séistres sont enfin en paix. Alors, est-ce que le feu peut se propager à... Je sais pas voir si... Magnifique. Est-ce que mes trucs vont fonctionner là ? C'est le plus simple qui fonctionne, hein. Qu'as-tu trouvé? Coffre légendaire, il nous reste plus qu'à aller voir la petite dame. C'est terminé. Tes amis sont en paix. Bien. Et je suis désolée. Si j'avais été là, j'aurais pu empêcher tout cela. Nous prendriez-vous pour des nouveau-nés incapables d'agir par nous-mêmes ? Non, mais... Nous avons commis une erreur. Mais nous devions la faire. Vous n'aviez pas à nous en empêcher, même si vous aviez été parmi nous. Je... D'accord. Tu as raison. Adieu, Gonild. Adieu. Mathéus. Kratos, merci d'avoir pris le temps de venir en aide à mon peuple. Je n'ai aidé personne. Ils étaient déjà morts. Oh, détrompe-toi. Tu as permis à ces esprits de trouver le repos, et à moi aussi par la même occasion. J'en suis soulagé. Profites-en, ça ne durera pas. Tu as raison. Il y a sûrement d'autres sœurs corrompues dans les 9 royaumes. Oh, on peut toujours compter sur toi pour conclure sur une note positive, mon frère.
Vanaheim. Alors, depuis qu'on ait eu accès au camp de Freyr, et une fois qu'on a terminé le jeu, on a notamment, niveau forgeron, une charmante demoiselle. Salut à vous! Si vous tendez l'oreille, j'ouvrirai la bouche. Qui veut nous donner une mission? Qu'y a-t-il? Ah, j'ai passé pas mal de temps à farfouiller dans le delta de la rivière. Quand l'armée d'Odin a débarqué, j'ai filé ici plus vite qu'un tas de Zolvurm avec le feu aux fesses. J'étais si pressé que j'ai accidentellement perdu quelques indispensables. Des indispensables? Enfin, surtout un, en réalité. Un orbe. Je te serais infiniment reconnaissante si tu le retrouvais. Qu'est-ce que c'est? Et si par hasard, tu tombais sur des pièces de ma bonne vieille armure rouillée, je m'en servirais pour te bricoler quelque chose de très spécial, rien que pour toi. Oh, nous avons déjà trouvé une partie de cette armure. Ouais, ça vient bien de ma forge. Laissez-moi juste la bécoter à coup de marteau. Je vais la remettre en état. Quel est cet orbe? Contente-toi de me le rapporter et tu illumineras ma journée. L'orbe mystérieux. Oh, et n'oublie pas de guetter les pièces de ma vieille armure. Je la retaperai pour toi, et gratuitement. Quel est cet orbe que nous recherchons, mon frère? Je n'en sais rien. Alors, avec les autres missions secondaires, on a déjà effectivement rapporté quelques d'armure, voilà. Sous-filer, on va regarder par là. Est-ce qu'on s'éloigne, on s'approche? Si on plutôt qu'on s'éloigne, on va se rapprocher alors. Un peu comme le camp des mecs. Hein. On se rapproche. Donc là il y avait un mur qu'on avait fait tomber via la stèle qui est là-haut. Donc le camp des méchants était par là. Est-ce que là... Ouais. À la limite fallait faire la mission en même temps que l'autre. Intéressant. On peut voir qu'il y a des trucs là-haut. On ne sait comment on met le feu. Il y en a deux qui sont là. Et là, ici, un coffre d'énorme. On a déjà tapé le corbeau. Il fallait tout faire toucher en même temps. Pour le coffre. En descendant, on a pu voir le petit logo. Alors, est-ce que c'est notre orbe? L'orbe de Lunda. Attention, nous ne connaissons pas ses pouvoirs. Crois-tu vraiment qu'elle nous aurait envoyé le chercher s'il pouvait nous tuer? Contentons-nous de le lui rapporter. Je le rappelle, hein. Il y avait une mission, on a
fait péter un mur, ça nous a permis de passer. Il y a moyen de descendre quelque part là. Voilà, c'était ici. Hein. Nous en descendre là. Hein. La chaîne. Popopopopo. Est-ce que c'était l'urbine de la falaise? Côte des Nandes, ouais, c'était ça. Je connais ce regard. T'as quelque chose pour moi. Eh, près de mon petit atelier du désert d'Alfheim, j'ai repéré quelque chose qui devrait vous Tiens. Oh, eh bien, merci beaucoup. Elka m'a réclamé cette fichue balle. Non. C'est son jouet préféré. Quoi? Bon, si tu trouves le reste de l'armure que j'ai semé dans le coin, je la réparerai pour toi. Et gratuitement en plus. Oh, de rien. Belle amitié. Ta grande prudence nous aura sauvé la mise. Silence. Il a raison, Mimir. Un peu de respect. Ce petit jouet qui couine aurait pu causer notre perte. Et c'est pas passé loin. Arrête de rire. Ce n'est pas facile, mon frère. Essaie. D'accord. D'accord. C'est vrai que c'était quand même fort. Hein. Donc ça, ça devait être Delta de la rivière Service. Grand Dieu. Quoi? Oh, rien. Nous sommes proches du lieu de mariage de Freya. Une journée magnifique. L'irruption de son frère mis à part. Ça semble assez personnel. Tu ne devrais pas accompagner Freya? Ah, ce n'est pas une mauvaise idée. Ah, la clé disparue de Freya. Un service. Notre marqueur est carrément là-haut. Je me demande comment grimper là-haut. On ne peut pas. Pas avec ces ronces dans le passage. Donc on va s'en occuper. Ok. C'est mieux qu'avec le coffre. Les armes de mes amis sont toujours corrompues, n'est-ce pas? Rendez-leur la vie. C'est possible. Hein. Alors, quel effet cela fait-il d'être de retour? Je n'ai pas l'impression d'être de retour. Tout a changé. Je suis comme une étrangère. Je sais ce que ça fait. Là, le mot runique vient d'apparaître. Tu le vois? Megan. Le lieu du mariage devrait être accessible. Ah, je pensais que ça nous libérait le... lieu pour notre mission, et... visiblement une autre quête. On a là-bas, ça va nous... Quoi, non.
Mystère de mariage. Je crois que c'est celui-là. Donc ça devrait aider également à. Accéder à la zone. Alors, essayons de repérer un peu. Alors maintenant qu'on a libéré dans les missions précédentes l'accès à la zone ici. On va tenter de continuer la mission qu'elle a démarré depuis un petit bout de temps. Donc un petit peu comme... Il y a trois missions finalement qui nous ont fait utiliser la stèle là-haut pour péter le passage. On a été par deux fois dans les cavernes plutôt à gauche et là on va continuer je crois. C'est hostile mais c'est pas grave. À 50 mètres. Sais-tu pourquoi je suis partie cette nuit-là? J'ai ma petite idée. Il m'a montré son vrai visage. Odin m'a demandé de lui jeter un sort de protection. Le même que j'avais utilisé sur mon fils. Comme ça l'avait rendu fou, j'ai refusé. Odin est furieux. Il a jeté à travers la pièce et détruit tout ce qui lui tombait sous la main. Après cela, il est devenu froid et distant. J'ai tout fait pour que cela fonctionne, mais... Personne n'aurait pu vivre ainsi, Majesté. Connaissance. Corbeau. Ouais, non, c'est au moment où il passe là qu'on peut l'avoir. Enfin, c'est pas simple. Non, on l'a fait. On va faire le faire à la lance qu'elle a. Voilà pour lui. Alors, parce qu'on a chopé la carte de trésor. Arc-en-ciel. Pas avoir droit au trésor enfoui. L'arc-en-ciel. On reste plus que le coffre de Norn. Qu'est-ce que c'est? L'activité préférée. Ah,
Quand ça se passe bien, j'aime bien. Ah, mon petit. Voilà pour les chutes de la déesse. On a encore notre objectif quand même principal. Ce pourquoi on est venu. Si tu me permets. Je n'aurais jamais cru revenir ici. Oh, l'hôtel. Des pillards. Évidemment. Chose secrète, hôtel. Avec du poison. Sont gâtés, dis donc. Attention, c'est un rangeur d'armes. On va pas ici. Il faut nous en débarrasser. Tenez. Ce qu'il perd est très instable. Ça finit par le faire. Reprends-toi, mon frère, tu peux le faire. Oui, j'y vais. Via, flanc gauche. Je crois qu'il est bon. C'était très grand. Derrière toi, attention. Elle est morte, elle a fini par. Elle a dû tirer une flèche dans le bidou. Avant, c'était un lieu sacré. Désormais, il est à l'abandon, en ruine. J'espère que les objets que je cherche sont encore ici. Portail de géant. Chasse au trésor. Ça, c'est une connaissance. Est-ce qu'il y avait une stèle ? C'est une deuxième. Qu'y a-t-il décrit ? Connaissance. C'est un bruit de bestiole.
pas un truc qui gêne, je sais pas. Ah oui, c'est vrai. Explosion là, pas. Il y a tant de choses que j'aimerais pouvoir changer. Si seulement j'avais vu les signes. Ça commence à me gonfler ces plantes là. Qu'as-tu appris, mon frère? Troisième acte. Je suis pas mort avant que les plantes me jettent leur saloperie. Voilà. Le cimier de la famille Illy. L'une des premières familles déchirées par la guerre. Artefact, bon, il y en a qu'un. Faire quelque chose avec ça. Mon diadème est ici. Il est sur ce piédestal, sur le balcon. On doit d'abord éliminer ces créatures. Je veux mon coffre. Les amis à exploser. Je peux pas l'ouvrir tant qu'il y a encore du monde à. Attention à droite. Et passez vous. D'accord. Oh, elle est un peu casse-couille. C'est un symbole d'engagement. Après la cérémonie, il m'en faisait faire un chaque semaine, tous plus beaux les uns que les autres. Il a cessé quand j'ai refusé de lui enseigner la magie ancestrale. Mon peuple aussi m'envoyait des présents pour que je n'oublie pas ma terre. Mais à la naissance de mon fils, ils ont cessé également. Thank you.
Ah, moi je suis pas équipé. Par contre, c'est vert. Je ne peux rien lire d'ici. Revenons sur nos pas, que je puisse mieux voir. Je pensais trouver la paix en le brisant. Mais je ne ressens rien. Ce que tu cherches n'est peut-être pas dans un diadème. Peut-être bien. Ah, j'ai tendance à me dire, je vois pas où ça. Ok, bon, ça a l'air d'être symétrique, donc la porte est fermée. Si je me rappelle bien, nous devons allumer les deux portes. C'est un feu mystique. Ces flammes sont éphémères. Pour que ça part communiquer entre les deux là. Pas compris pourquoi l'autre s'est arrêté, on peut en avoir trois normalement. Je crois qu'il faut qu'on allume les deux torches en même temps. Sans déconner. Le principe qu'ils ont voulu utiliser est génial sur le papier, mais alors dans les faits c'est frustrant. Des fois ça marche nickel et des fois... Tiens, 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 petit copain. Merde, y'a un con qui redonne de la vie, hein. Je sais pas où il est. C'est bon, maintenant que je veux m'attaquer au truc, il vient me... Il a l'air d'être derrière, mais je le vois pas. On ne pourra pas le tuer tant que la Noken sera en vie. Partons à sa recherche. Putain, d'accord. Elle est derrière. Je la voyais pas dans les... Ah!
On aura donné du mal. On aura donné du mal. J'ai bien vu. Voilà. Connaissance. C'est une dénonciation de mon peuple, du jour de mon mariage. Et à 4. Ouvrons les yeux. 5. Tu as bien fait d'étudier les runes. Ça vient de la cérémonie. Notre coupe, symbole de réconciliation. Nous avons bu dans cette coupe jusqu'à ne plus tenir debout. Cette nuit-là, je lui ai confié que j'attendais des excuses de frayeur. Odin m'a assuré qu'il était la seule famille dont j'avais besoin. Et... je l'ai cru. Ça avance, ça avance. Ça, c'est pour moi. Le mot est complet, mais je ne peux toujours pas le lire d'ici. Redescendons. Tu sens mieux ? Non. La douleur grandit. Ça n'en finira donc jamais. Qu'est-ce que je dois faire de plus ? M'effraie le plus. Les combats les plus difficiles ont lieu en nous, mais cette fois, tu ne te battras pas seul. Parchemin. Encore une fois, s'éveiller. Ok, plus qu'un. Es-tu prête ? Le voilà. Mon dernier lien avec Asgard. Nous avons planté cette épée dans ce pilier, ensemble. L'épée fut forgée pour la cérémonie. En symbole de notre union.
C'est dans la peine que se nouent les liens. C'est ce que ce chien a dit pour ses vœux. Je déteste qu'il ait raison. Une partie de moi reste liée à Asgard. À travers mon fils. Et les Valkyries. Ce maudit royaume n'appartient pas qu'à Odin. Il est également le mien. La peine causée est la sienne. Je refuse de m'y accrocher encore. Cette épée ne symbolise plus notre avenir. Mais elle servira le mien. Je préfère qu'il en soit ainsi. Bonne journée, nouveau choix d'épée débloqué, personnaliser l'équipement de Freya dans le menu des armes. Armure également. Vu pendant la cinématique, il y avait un truc qui brillait de fond. Cela nous éclaire-t-il ? Je crois surtout que c'est le dernier. Et ça fait du bien quand ça s'arrête. C'est pas encore terminé. Je suppose qu'une autre bataille nous attend. Oui. Tu viens d'en remporter une importante. Puis-je parler ? Tu as besoin d'une permission maintenant ? Bien, je te dois ma vie, telle qu'elle est. Et moi, je t'ai causé tant de peine. Je t'ai mise dans une situation terrible. Alors, Freya, je regrette sincèrement. Je voulais la paix. Je sais, mais je jure néanmoins de me rattraper. Tout ce que tu voudras, demande-le. J'ai une dette envers toi. J'apprécie ton geste. Même si ça ne change rien au fait que tu parles trop. Je crains de ne pouvoir m'en empêcher, Majesté. Wow. Oh,
Eh ben, on a terminé en beauté. Tant pis pour le bateau. Un homme arrogant m'a dit un jour qu'on ne pouvait pas changer le passé, seulement ce qu'on en faisait. Et il n'avait pas tort. Il y a bien longtemps que je n'ai plus eu de confident. Le dieu taciturne accepterait-il de me prêter l'oreille de temps à autre ? Autant que tu le souhaiteras. Disparu de Freya. Très très bonne hein, comme mission secondaire. Par rapport à l'histoire, c'était cool. Et puis en plus, le fait des. Dégoter une nouvelle épée, top. Et voilà, qui termine également hôtel. On vient de sauver le frère de Freya. On est dans son camp maintenant. On va repartir avec notre fils. Qu'est-ce que ça veut dire? Elka a flairé quelque chose. C'est peut-être important. On ferait mieux de la suivre. Parfum de survie. Donc quand on était donc au niveau du camp de frayeur en passant, on a vu qu'on a déclenché quelque chose. Parfum de survie, et quand on est sur la berge, alors on a un point de déplacement rapide si on prend la barque et qu'on fait 50 mètres. Et sur le bord, on a des petites traces de pas. Où est-elle passée ? Visiblement, on a un autre spot un petit peu plus loin, on va la suivre. On avait déjà chopé la goutte. Regarde, des traces, celles de notre chienne à l'odorat développé, et nous sommes sur la bonne voie. Elka, au pied. J'ai vu un truc au loin. Elle doit vouloir nous montrer quelque chose. C'est bien sur nos gardes, hein. D'autres empreintes. Sacrée pisteuse, cette petite baveuse. Bien, ils me font tourner dans tous les sens, comme ça j'ai perdu. Elka a laissé d'autres traces. J'ose le dire, elle me semble aussi bonne pisteuse que toi. Elle me surpasse. Mes yeux peuvent me tromper, pas à son museau. Jaloux. Non. Elka, attends! Attention. Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Marrant, ça me parle un peu l'endroit. On a vu, fais gaffe, mais je me suis tapé du poison dégueulasse. Ah d'accord, ok. J'ai bien camouflé le rocher. Hein. Encore des traces.
Impressionnant. Par là. Ah, elle est passée par cette corniche. Mais on ne peut pas la suivre à cette heure de la nuit. Donc il faut changer l'heure. C'est ici où on utilisait un truc avec les loups, c'était magnifique. Ok, il est dans le ciel. Ah, c'est un four. Je me souviens. Alors, Dame Freya, des lectures intéressantes récemment ? Ce doit être Birgir. Je crois qu'elle veut qu'on le sauve. Notre connaissance. Il y a une zone. Nous retournons au camp. Nous trouverons bien Birgir. Parfum de survie terminé. On a terminé avec le Barry, boîte Barry West. Et également, notre service. Je ne t'imaginais pas organisant un sauvetage. Il nous a sauvé la vie. Nous lui sommes redevables. Oh oui, toi et ton grand cœur. Nous devrions pouvoir repérer Birgir de là-haut. Les autres avaient peur de ce lieu. Nous devrions nous méfier. À ce propos... Dragon Tri. Tu vas bien ? Oui. Et toi ? Oui. Oh, il avait l'air en colère. Pourquoi, à ton avis ? Nous sommes dans la bonne direction. Attendez. Je sais où nous sommes. C'était autrefois l'une des colonies les plus prospères du royaume. Qu'est-elle devenue ? Je l'ignore. Je ne suis pas venu ici depuis une éternité. On est... Je sais pas où. Ce que j'aime. On va bien trouver une stèle de téléportation quand même. Va nous laisser dans le merdier. Ah. La Heim. Au niveau du cratère. Bon, au moins, on est. On sait qu'on peut revenir, ça c'est cool.